On a tourné pendant 24 heures sur ce circuit qui fait à peu près 1 km. Du coup là on est deuxième au classement de la vitesse. On essaye de revenir sur les premiers mais c'est pas évident. Premier qui est le Jaguar. Vous êtes deuxième, vous êtes déjà une belle performance, hein? Oui, c'est une belle performance, oui. On a fait déjà 720 tours, donc quasiment plus de 700 km. Donc là, notre moyenne, on est à un peu plus de 31 de moyenne, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous plaît dans la voiture à pédale? L'ambiance. Enfin, déjà, c'est un sport qui est vachement convivial et bah, tous les jours quand on rencontre des gens comme ça, on est un peu une grande famille. Et, voilà, il suffit de voir, on est en compétition, les clubs voisins nous aident. Non, c'est vraiment chaleureux. Vous avez découvert ça comment et il y a combien de temps? Par mes parents. Mes parents roulent depuis 11 ans. Si je ne me trompe pas. Donc depuis toute petite, je suis dedans et je roule depuis, pour ma part, 5 ans et je suis accro. Hein? Comme on dit, on monte une voiture à pédale une fois, on y reste, on n'en redescend plus. Comment ça se passe? C'est fatigant. 24 heures, oui, c'est très fatigant, surtout les derniers relais, quoi. Bon, le dernier, non, parce que on sait que c'est le dernier, donc on avance deux fois plus vite, on va dire. Mais la dernière heure est terrible, ouais, en général, ouais. Et vous, vous le faites du côté sportif, à fond, ou... Non. Cool. Moi, c'est pour m'amuser, moi, simplement, le plaisir. Vous êtes entraîné? Non. Si, vous êtes entraîné. Ah, on s'entraîne aussi, quand même, on est obligé, parce que sinon, sans pédaler, c'est mort. Ne vous faites rien. Quoi? Non, je fais quand même beaucoup de vélo le week-end. Comment se sont passées ces 24 heures cette année? Ah, très bien, en fin de compte, il y a eu un bel esprit de convivialité entre les équipages. C'est vrai qu'ils ont bien, en plus, bien pédalé, en fin de compte, au niveau vitesse, un rythme très très soutenu pendant ces 24 heures. Il y avait combien, 17, 18 équipes? Il y avait 17 équipes, normalement 18, mais un équipage anglais n'a pas pu venir. Donc 17 équipes qui nous viennent de l'Eure, l'Eure-et-Loire, la Sarthe, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Touraine. Est-ce que c'est un bon cru, 17 équipes? C'est un bon cru, peut-être peu d'équipes, moins d'équipes que de certaines années, mais des équipes en fin de compte très motivées et passionnées en fin de compte. Et c'est vrai que c'est le côté sportif en fin de compte qui était présent cette année. Et le pingouin en monte jette. Tu vas avoir les voitures, c'est super. La voiture numéro 9, la voiture numéro 1. Le Peter Pan. Bravo. La mouette.